Mais tout d'abord, une bonne nouvelle en cette fin d'année pour Amaya Coppens, une jeune femme qui possède la double nationalité, belge et nicaraguayenne. Elle a été condamnée à plusieurs reprises par les autorités du Nicaragua qui la considèrent comme une activiste opposée au pouvoir en place. Elle était emprisonnée depuis le 14 novembre et on a appris cet après-midi qu'elle a été libérée ce lundi.